travail. Centre de contrôle du hangar Callisto pour l'UJC Jaron. Vous avez franchi le périmètre de sécurité. Bien reçu, contrôle. Je maintiens le cap sur la station Europe. T'as un truc à dire ou tu vas jouer avec ce truc toute la journée? Je regardais ça. C'est notre dernière mission, Max. Et la discussion s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Merci, peut-être. Parce qu'après ce boulot, on n'aura plus jamais à travailler de notre vie. T'as tout prévu, à ce que je vois. Ouais, faut croire. Mais c'est quoi, ça? Hein? Tous ces allers-retours de Callisto à Europe et la sécurité supplémentaire? C'est une lune prison, Max. La sécurité, c'est leur boulot. Et les attaques, hein? Comment t'expliques ça? Par la voie extérieure? Mais ça fait 6 mois qu'ils attaquent des cibles dans tout le secteur. J'ai une alerte jaune dans la soute. Oh, c'est sûrement rien. On devrait quand même vérifier. Tu devrais pas t'inquiéter autant. Tu vivras plus vieux. Les capteurs à bâbord et à tribord montrent tous les deux des erreurs. Va les vérifier. J'y vais. Le reste du vaisseau. Enfoiré. Aucun souci ici. Je devrais aller voir l'autre côté. T'es abordé. L'atténuation est encore active. Plus pour longtemps. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment tu veux que je le sache? Quelque chose? Rien pour le moment.
On n'a presque plus le temps. Seul suffira. Ok, on va vous sortir de là. Le manifeste dit que vous preniez des marchandises du hangar. On n'a pas beaucoup de freelance par ici. Je fais que mon boulot. C'est sûr. C'est le premier vaisseau que je perds. On a été apporté par... Calme-toi un peu, le pilote. Tu fais ton travail, laisse-moi faire le mien, d'accord? Monsieur? Oui, monsieur? D'accord, entendu. Prends-le aussi. Hey, vous faites quoi, là? Hey! J'ai rien fait du tout!
les détenus ne parlent pas, à moins qu'on leur adresse... Attendez, c'est une erreur. Je m'appelle Jacob Lee. Je suis pas un prisonnier. Les détenus, 532-521. Et tu t'adresseras à moi en tant que capitaine Ferris. Oh, non, non. Je suis qu'un pilote de cargo. J'ai été attaqué par la voie extérieure. C'est elle. Elle a fait écraser mon vaisseau et tuer mon premier lieutenant. Je suis sûr que le directeur est impatient à entendre tout ça. Quand on parle du coup... Le choix. Chaque choix dans votre vie vous a mené ici. À ce moment. À cet endroit. Le seul endroit auquel vous appartenez vraiment. Pour trouver la seule chose qui a toujours manqué. Un but à votre vie dénuée de sens. Je suis le directeur Cole. Et ensemble, nous trouverons ce dessin. Bienvenue à la prison de Black Iron. J'adore la dernière partie. Terminus, debout. Détenu. Je vous ai donné un ordre direct. C'est une erreur, j'ai rien à faire ici. Écoute. Tu sais qu'on appelle Callisto la lune morte. Morte. Tout comme tu l'aurais été si je t'avais pas sorti de cette épave. Je veux dire merde, pour les autres, t'es mort. Il est temps que tu passes à autre chose. Parce que tu entres dans un nouveau royaume. Non. Mon royaume. Non. Alors tout ce à quoi tu t'accroches, c'est ton ancienne vie. Tu dois l'oublier. Parce que ta nouvelle vie est entièrement entre mes mains. Alors lève-toi, t'es pas. Ok. Prends-la. Et allons-y. Je suis le docteur Kathleen Malheur, et selon l'article 412 du code pénal de l'UJC, vous allez être équipé du corps. Préparez-moi à l'appareil. Quel appareil ? Cet appareil ? Ou c'est un putain de docteur ? Oui, et j'ai bien l'intention de m'acquitter de mes responsabilités. Ne bougez pas, ça ne fera qu'empirer les choses. Allez vous faire foutre ! Injecteur.
et ça s'est écrasé. Et on m'a jeté ici. Et puis je me suis réveillé pour voir ça. Écoute, t'es un pilote, pas vrai? Ouais, j'ai passé la moitié de ma vie ici, je connais cet endroit. J'ai un plan pour me tirer. Si tu m'aides à sortir d'ici, je t'aiderai, ok? Tu peux utiliser ça pour entrer dans la salle de contrôle de l'autre côté du pont. Tu peux ouvrir ma cellule de là-bas. Au fait, moi, c'est Elias. Jacob. Le père pas Jacob. Ça pourrait te sauver la vie. Et me laisse pas en plan. Là-bas, j'ai vu quelque chose. Ça m'a attaqué. Ça avait pas l'air humain. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que j'ai vu. Cet endroit peut vraiment te rendre dingue, mais on a une chance. Quoi que t'aies vu, c'est une raison de plus pour foutre le camp d'ici. Tu vois la tour de garde? Ouais. C'est notre premier arrêt. Retrouve-moi là-bas. Comment? L'ascenseur est de ce côté. Prends-le jusqu'au niveau suivant. Je te recontacte. Compris. Thank you.
Attention. Alerte. Système de sécurité en service. Restez dans votre zone. Au lieu de monter. Thank you.
trouver l'ascenseur. Je remonte. Bien. On finira par s'en sortir malgré ces tours. Il y a une armurerie juste après l'infirmerie. Un bon endroit pour s'équiper. Mais tu vas devoir faire gaffe. Les unités de sécurité sont de nouveau en ligne. Oh merde! Non! Vite! Lala! On n'est pas invité! La force létale a été autorisée. Sécurisé. Déploiement vers le secteur médical. J'ai le champ libre.
pourrait être utile. Autorisé.
arrivé jusqu'à l'infirmerie. Je cherche encore l'armurerie. Ok, c'est bien, tu te rapproches. Continue comme ça. L'armurerie a été tuée. Il ne reste plus que cette espèce de matraque. C'est une matraque électrique, ouais. C'est vrai qu'on dépasse, tu sais. Et on va en avoir besoin. Écoute, t'es presque à la tour de garde. Je me suis faufilé, mais c'était vide. Donc ça devrait aller pour toi. On se retrouve à la tour. Ouais, on se retrouve là-bas.
Kathleen Mahler. Je suis arrivée à Black Iron aujourd'hui. J'ai rencontré Cole pour la première fois. Il m'a autorisé à reprendre le programme. Ce ne sera pas simple, mais j'ai confiance en mon équipe. Ils sont, comme moi, pleinement conscients de l'opportunité qui nous attend. Vos directeurs, j'arrive pas à le cerner. Il a fait plus de changements en quelques mois qu'en plusieurs décennies à Black Iron. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe, ça pourrait finalement être ma chance. Je dois me tenir prêt. J'envoie les renforts. Ok. J'envoie les squads neufs. Merde. Je peux pas les voir. Tenez votre position. Pas possible. On se replie. On a perdu le confinement. D'accord. Alors activez toutes les unités tactiques. Feu à volonté. Je répète, feu à volonté. Oui, chef. Mais comment t'es entré ici, putain? J'ai temps pour tes conneries! Laisse-moi récapituler. Tu t'écrases ici, et cet endroit tombe en ruine. Oh, ça me devine! Regarde-moi! Hein? Je veux dire? Spécial! Choses l'ont tué. Eh ben, t'es plus coriace que je le pensais. Allez, continue. J'ai trouvé une pièce sur pas loin.
mission difficile. En tant que nouveau directeur, je ferai ce qui est nécessaire pour vous, pour cette institution légendaire. Ça va les retenir? Putain, j'espère bien. C'est quoi ces trucs? Peu importe. Écoute, on doit sortir d'ici. T'avais pas parlé d'un plan? Ça à la reforge. Tu peux créer une nouvelle arme avec ça. Ça me donne une minute pour me connecter au système. Un vaisseau pour se barrer d'ici, un que tu peux piloter. J'ai trouvé un détenu qui peut pirater le réseau et faire descendre un des vaisseaux en orbite. Par contre, il est au SHU, sécurité maximale. Ça va être difficile d'y entrer. Le corps te dérange? Ouais, depuis que je l'ai. Ouais, ce truc peut te brouiller un peu le cerveau. T'inquiète pas, on s'y habitue. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur cet endroit. Ouais, j'ai eu le temps d'apprendre. C'est quoi la prochaine étape, le SHU? On entre par la porte d'entrée? J'aimerais bien. Mais ça va pas être aussi simple, mon vieux. Ça fait un bail que je suis là, j'ai des privilèges que t'as pas. Alors je vais devoir te faire passer autre part. Mais je serai tes yeux et tes oreilles et je te guiderai. Me laisse pas en plan. Compte sur moi. À moins que tu connaisses un autre pilote. J'ai bien peur que non. Je vais t'ouvrir la porte.
J'en ai un. Utilise le surin pour retirer son implant. Attends, quoi? T'as pas le choix. C'est le seul moyen de passer cette porte. Ah, quel bordel. Fais ce que tu dois faire. Cet endroit est capable de te changer. Thank you.
pas le choix. Les prisonniers déferlaient à travers le bloc. J'ai dû sceller la porte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, officier Jane. Directeur Cole, où êtes-vous? Dans ma tour. J'observe. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La fin d'un long parcours. Ce rapport sera mon dernier. Les rénovations de la tour sont presque complètes. Et le programme? Réactivé, sous la supervision du docteur Malheur. Et qu'est-ce que vous en espérez? Des résultats. Après des années de recherche sans issue. Ne voyez-vous pas? L'évolution ne se produit pas en laboratoire. Elle a lieu dans la nature.
je suis au centre médical. Continue jusqu'à la sortie arrière, je te contacterai là-bas. J'ai trouvé un des gants du capitaine Ferris. C'est un grip. Ces salauds de gardiens ont utilisé son ennemi. Ouais, je m'en souviens. Mais c'est efficace. Ça marche sur toutes sortes de choses. Vas-y, essaie-le. D'accord.
dirait qu'il est HS. Rendez-vous pour les défis. T'es sûr de ça? Je vais te faire descendre en douceur.
Elias, je suis dans l'ascenseur. Je vois le SHU. Elias, t'es là ? Elias, est-ce que tu m'entends ? Au SHU. Ah, oui, mais c'est sur l'alimentation de secours. Je vais devoir passer en manuel. T'inquiète pas, je peux t'envoyer là-bas. J'active la nacelle, elle t'aidera à traverser cet endroit. C'est une journée unie. On n'a pas de temps à perdre, Tchakov. Yeah.
Sélection. J'arrive. Je l'ai trouvé. Elias, t'es sûr que c'est le bon ? Hey, hey ! Fais-moi sortir d'ici ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Hé, hey, c'est quoi ce bordel ? Tu savais que c'était elle ? C'est la personne qu'on cherche ? Ouais, ben, je savais juste qu'elle pouvait peut-être nous aider, ok ? Et pourquoi je vous aiderais ? Ça fait un bail que je suis ici. Je connais tout sur cet endroit et je sais comment rejoindre le hangar. Maintenant, toi, tu peux appeler une navette et il peut nous faire sortir d'ici. On peut y arriver, on doit serrer les coudes, ok ?
Merci, mais je vais... Tu veux un petit conseil? Ne fais pas confiance. Il t'a pas tout dit. Allez. Merde. Elias! Je te le jure, Jacob. J'avais aucune idée de qui c'était. Je croyais que tu connaissais cet endroit comme ta poche. Ouais, bah je croyais aussi. Et maintenant? T'es piégé jusqu'à ce que la cellule s'arrive. Ce qui veut dire que je peux prendre le tram, mais pas toi. Évidemment. Non, ça va aller. Tu dois aller au traitement des déchets, ok? Contacte-moi quand tu seras. Transfert de données terminé. Attends. C'est quoi ça? Juste un petit quelque chose pour t'aider. Suis le plan. Ok, j'appelle le tram. Ah, ça va pas le faire. Tu vas devoir partir en te faufilant toutes tes villes. Cherche une bouche d'aération de l'autre côté.
là-dedans pour empêcher les détenus de s'échapper. Attends, répète-moi ça. J'y suis, je suis au point de contrôle. Bien. Maintenant, va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Une vue d'enfer. Ouais, mec, pour l'enfer, t'as pas tort. Une grosse tempête se prépare, t'as pas envie qu'elle te rattrape. Ouais, je vois ça. Je vois le hangar aussi. C'est notre porte de sortie. Ouais. J'ai fait pas mal de petits boulots là-bas. C'était il y a une éternité. Et tu vas la retrouver, cette fille, il faut juste s'en tenir au plan. Ce qui veut dire que tu vas ramener ton cul au dôme de l'habitat. Et comment je suis censé faire ça? Personne a dit que ça allait être facile. Mais je couvre tes arrières, crois-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaillais là-bas. On pourrait dire que je collectais des données de recherche. J'ai fait quelques enregistrements. Le logiciel que j'ai installé sur ton corps les déclenchera là-bas. Suis-les et t'arriveras au dôme. Et après? Je viendrai te chercher à la station de tram. T'inquiète pas. D'accord. Je te recontacte. Non. Tu pourras pas. Tu seras sous terre, mec. T'auras pas de signal avant d'arriver au dôme. Évidemment. Il y a autre chose que tu m'as pas dit ?